Voici celui dont tout le monde parle aujourd'hui. Il reste sur un bilan de 4 buts inscrits lors de ses 3 derniers matchs. Rendez-vous en direct dans quelques instants sur EA Sports. Salut, bienvenue à Londres, très précisément à Stamford Bridge pour suivre ce match avec nous. Pierre Ménès va vous faire vivre ce match avec moi, Hervé Matou. Au programme aujourd'hui de l'UEFA Champions League avec ce match de groupe, Chelsea contre le Standard de Liège. Ce ne seront pas les matchs les plus faciles à négocier, car une défaite aujourd'hui serait une mauvaise opération pour l'une ou l'autre équipe. On va voir ce que ça va donner dans l'attitude des joueurs. Gerrard. Ouais, ça c'est très bien défendu. T'as une petite statistique, Pierre, qui promet de rester rare dans l'histoire de l'UEFA Champions League. Oh là là, je crains le pire, vas-y, donne-nous la petite stat. Alors j'ai plus l'année, mais au soir de la 6e journée, l'AEK Athènes avait fait 6 matchs nuls. 6 matchs, 6 matchs nuls. C'est quand même... Et ils avaient réussi à se qualifier ? Non, je crois pas. Ah non, 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 6 points, non, ça c'est pas possible. D'accord. Le Real est là. Attention, il est tout seul. Ça peut donner quelque chose, ça. Oh, quel bel arrêt, Pierre, le gardien qui a eu le dernier mot dans ce duel. Ah, le corner est tiré au cœur de la surface. Non, ça ne passe pas, c'est contré par le défenseur. Gerrard. Oh, le bon coup d'œil. Oh, il y est ! Oh, le premier but dans cette rencontre ! Une rencontre qui démarre à fond ! C'est un vrai coup dur pour l'autre équipe. En gros, c'est comme si elle... commencer son match avec un but de retard. Allez, on se repasse la séquence avec d'abord ce centre et une reprise de la tête qui ne laisse aucune chance au gardien. Du bon boulot. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Williams. Ballon en profondeur. Allez, le tir. Le gardien qui repousse. Il y a toujours danger. Oh, attention, ça presse. Le centre à destination de ses partenaires. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. On va frapper une... cadré. Dommage, hein, c'était l'occasion pour eux de prendre le large. Ouais, indirectement, il remet l'autre équipe dans la course du coup.
Havertz. Timo Werner. Chelsea qui se rapproche du but. Il fallait le récupérer, hein, ce ballon. Cette équipe se déplace aujourd'hui avec la certitude de pas. Il a débordé la défense. Ouais, le bel arrêt. Le bon arrêt du gardien alors qu'on la voyait déjà au fond. Ouais, peut-être, mais le gardien a fait ce qu'il fallait pour gagner ce duel. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Ouais, ça passe franchement à côté, hein. Même pas de frisson pour le gardien. N'Golo Kanté. Timo Werner. Ouais, Chelsea qui se retrouve bien, qui fait bien circuler le ballon. Chelsea qui égalise. L'égalisation des Blues. Et ils égalisent donc un but partout. Il se passe directement dans les pieds de l'adversaire. Ismaïla Sarr. Ah ouais, c'est bien fait ça. Oh, ça peut faire but. Avantage au gardien dans ce face-à-face. Qu'est-ce que c'est? Bien joué de sa part. Il a bien fait. Il est bien tiré le corner là. Mais le gardien qui éloigne le danger sur ce corner. Allez, l'occasion de passer devant. Le joueur de Chelsea qui marque. Et 2-1 donc maintenant. Un ballon intercepté, mal donné, bien défendu. Ah non, il rentre le ballon à l'adversaire là. Il avance balle au pied. Allez, un peu égalisé là. Oui, bien joué le gardien qui écarte le danger. Attention à la frappe. Et le ballon bloqué par le gardien. Timo Werner. Havertz. Christian Pulisic. Chelsea qui perd ce ballon. Eh oui, il est passé. Oh, mal défendu, ça. Oh, l'intervention exceptionnelle du gardien. Oh, quel arrêt. Ah, ça, c'est un sacré plongeon, Hervé. L'arrêt du match, peut-être. Et on l'a dégagé. Pour écarter le danger, ce sera un nouveau corner. Le corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Le gardien qui préfère écarter du point sur ce corner.
Alors, pas très bien exécuté cette volée. Ah, il a mal jugé la trajectoire. Forcément, ça ne pouvait pas donner grand-chose. Avec coup franc à venir. Et le joue à deux. Ah oui, la bonne passe. Il cherche un partenaire en profondeur. Oh, ça y est, le danger qui s'éloigne. Oh, la défense a eu chaud. La fin des 45. Le retour des joueurs pour la seconde période de ce match de groupe de Ligue des Champions. Gérard. Timo Werner. Kai Havertz, Timo Werner, donne en retrait, et but pour Chelsea. Et le score qui est maintenant de 3 buts à 1. Il essaye d'étirer le jeu en passant par les côtés. La défense en grande difficulté qui ne sait plus quoi faire. Attention, il peut relancer le match là. Le tir. Oh, tout en finesse, c'est parfait. Quelle preuve de sang-froid.
Et 3 buts à 2 au score. Quel match! Christian Pulisic. Havertz. N'Golo Kanté. Il est passé par-dessus. Chelsea un peu en difficulté pour ce qui est de la possession de balle. Mais bon, vous le voyez, ça ne veut pas dire grand-chose finalement. Ça n'empêche pas cette équipe de mener au score et d'être suffisamment bien organisée pour poser des problèmes à l'adversaire. Il la joue un petit peu comme au hand, on fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Et il récupère le ballon dans sa surface. On a atteint l'heure de jeu. Oh, que c'est bien donné ça. Il a vu son partenaire qui lui demande le ballon. Ah, si les défenseurs ne le connaissaient pas, maintenant c'est fait. Hein. C'est son troisième but personnel. Le réalisateur qui nous propose des images de cette contre-attaque. Cette perte de balle, elle leur coûte cher. Ouais, après ça va très vite, hein, mais le buteur signe un bel exploit individuel. Allez, encore une égalité. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Havertz. Oh oui, encore une bonne passe. Ah, il a sorti les muscles là pour prendre ce ballon. Oh, il n'y a personne pour l'arrêter. Attention à nouveau. Incroyable le but. Oh, qu'ils reviennent de loin. Les voilà qui prennent l'avantage. La contre-attaque fatale qui passe en ce moment sur notre écran. Le buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé. Après, il n'y a plus qu'à battre le gardien. Chelsea voit son adversaire passer devant. Encore un bon ballon. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. N'Golo Kanté. Et il gagne quelques mètres. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Ismaïl Assar. Kanté. Timo Werner. Timo Werner encore. Allez, pourquoi pas l'égalisation. Alphonso Davies. Kanté. Avec Timo Werner. Peut-être l'égalisation. Il était là, excellente intervention. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque, on va voir. Il a frappé, il a été contré. Chelsea qui n'a plus le choix, il faut pousser pour marquer. Kai Havertz avec Timo Werner. Timo Werner encore. Le gardien qui repousse, ça peut revenir. Et c'est dedans. L'égalisation de Chelsea dans ce match. Ah, décidément, dans ce match, personne n'arrive à prendre le meilleur sur l'autre. Il se passe des choses sur d'autres terrains. Et on me dit qu'il y a eu un but. Oui, Hervé, c'est le troisième but pour l'Ajax. Ce qui porte maintenant le score à 3 buts à 1. Après 81 minutes de jeu. Merci et merci beaucoup pour ces informations. Ouais, la frappe. Elle était belle, hein. Elle était belle cette frappe, mais elle a juste manqué un petit peu de précision. Ouais, ça passe à côté. À
attention à cette occasion, ça pourrait bien être la balle de match. L'occasion de prendre l'avantage. Ah, il y est. Oh, il y est, qu'est-ce que c'est bien joué. Et qu'est-ce qu'il est important, ce but. On va revoir cette action avec ce ballon lobé qui a mis toute la défense en danger. La suite est brillamment exécutée avec une frappe bien placée hors de portée du gardien. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Et si c'était le but de la victoire, Pierre, tout simplement? Ah, ça y ressemble bien, Hervé, hein. Il reste plus beaucoup de temps. C'est sûr qu'ils ont choisi le meilleur moment pour placer cette accélération. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain, devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Ah, ils ne veulent pas le perdre, hein, ce match, les Blues. Ils repartent à l'abordage pour tenter d'arracher l'égalisation. Allez, 2 minutes de temps additionnel, c'était pas beaucoup. Pas facile, mais il protège son ballon, il tient bon. Chelsea qui se rapproche du but. L'attaque est propre, les ballons toujours en jeu. Voilà, c'est terminé. L'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre et la victoire pour cette équipe qui va rentrer chez elle avec les 3 points. Ouais, enfin bon, c'est passé juste pour cette équipe qui a su préserver son avantage jusqu'au bout. On a senti des joueurs concernés, en tout cas. Dans l'attitude, c'était bien aujourd'hui. On a de bons coups d'œil.